Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de suivre Ivoire TV 5. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après l'inhumation de son ancien patron, Arafat Didjé, Ariel Chenet a enfin repris le boulot. Il a rejoint Maria Mobile au Bénin. Nous revenons après le générique. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ariel Chenet et Maria Mobile ont participé à un spectacle au Bénin. La bimbo togolaise, Maria Mobile, a été une actrice principale du succès retentissant du dernier single d'Ariel Chenet intitulé Amina. Déjà connue aux États-Unis pour avoir joué dans des clips de plusieurs célébrités américaines, elle a, par ses déhanchements, son corps de rêve et ses yeux électriques, ouvert les portes à l'international à la chanson Amina du petit Nouchi Dabobo. Touchée par la mort soudaine de son mentor, Arafat Didjé, Ariel Chenet a dû suspendre ses activités durant un bon moment. Une semaine après l'inhumation du déchiquant, le colonel Lobofoué a finalement décidé de reprendre du service, et la destination choisie pour cette reprise a été le Bénin. En effet, Ariel Chenet a rejoint Maria Mobile, qui était invitée à Cotonou en tant que coach sportif à un événement organisé par un club de fitness le samedi 7 septembre 2019. Dans une vidéo diffusée en direct sur sa page Facebook ce lundi 9 septembre 2019, le colonel Lobofoué a annoncé la reprise officielle de ses activités, non sans avoir une pensée à la mémoire de celui qui lui a ouvert les portes du coupé décalé, son formateur et premier producteur, Arafat Didjé. Je présente une nouvelle fois mes condoléances à la famille directe de mon mentor, Didjé Arafat, à toute la Chine populaire, à tout le coupé décalé, à toute la Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qui se raconte, je suis très affecté par cette nouvelle. Ce pourquoi, j'ai été en retrait ces derniers jours, a déclaré Ariel Chenet avant de faire une recommandation très importante à ses fans, la vie nous fait connaître. La vie nous fait passer des étapes. Et moi personnellement, mon secret, c'est la prière. Recommandez tout ce que vous faites à Dieu et il vous aidera.